Salut à tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. J'ai avec moi le pasteur Isaac. Bonjour pasteur. Bonjour apôtre. J'ai aussi avec moi le pasteur Darius. Bonjour apôtre. Bonjour ou bonsoir, hein, peu importe le moment où les gens nous regardent, hein, parce que c'est peut-être le jour chez nous, mais peut-être chez vous, c'est la nuit. Voilà, parce que hein, c'est Internet et puis les gens nous suivent partout. Gloire à Dieu, on est en train de parler de la force mentale, la force intérieure. Et on a dit à la première émission que on a la force intérieure de l'esprit, on a la force mentale. Hein, et on a essayé de donner les caractéristiques de quelqu'un qui est faible mentalement, hein, pasteur Isaac. Tout à fait, on a vraiment donné pas mal de caractéristiques de quelqu'un qui est faible mentalement. Ben, encore une fois, on va faire un petit résumé. Voilà, on a un vu petit, pas oui. mal. petit résumé. Oui. Donc, on a vu que la personne qui est faible mentalement, comment dire, ça ne va pas être objectif, va être subjectif, va être susceptible, ne sera pas prompt à pardonner. C'est et ça. Voilà, on a vu pas mal de caractéristiques comme ça, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment très, très bénissant, Amen. Très, très encourageant. Quoi. Amen. Et là, dans cette émission, nous allons voir effectivement comment développer une mentalité de champion. Amen. Hein, après avoir, pasteur Isaac, après avoir spolié, hein, aux deux dernières émissions, je pense que là, c'est le moment de pouvoir parler de comment développer une mentalité de champion. Oui, pasteur Darius. Oui, merci beaucoup, apôtre, encore pour l'opportunité que tu nous donnes de participer à cette émission. C'est vrai que on a commencé une série d'émissions qui sont très, très intéressantes. Je pense que si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, vous pouvez aussi aller les revoir. Je pense que vous allez vraiment, vraiment être bénis. Amen. On a parlé effectivement de comment repérer les différents types de les mentalités. Les mentalités voilà. faibles et les mentalités faibles fortes, c'est force, vrai. Fortes, plutôt. Mm-hmm. Et là, du coup, on va voir justement comment... quels sont les mécanismes pour développer cette mentalité de champion. Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses, il y a des actions à poser, il y a une façon de penser à avoir, il y a certaines choses qu'il faut mettre en place mm-hmm. et d'autres qu'il faut enlever dans notre quotidien pour mm-hmm. pouvoir avoir cette mentalité forte. Amen. Là, comme ça, je pense à la mentalité de la faiblesse qui consiste à se décourager très vite. Mm-hmm. Moi, je pense que celui qui est mentalement fort, il sait s'auto-encourager. Amen, amen. C'est-à-dire amen. Que il n'a pas forcément besoin des autres non. pour s'encourager. Les autres sont importants mm-hmm, pour s'encourager. Mm-hmm. C'est important d'être entouré de personnes qui nous encouragent. Amen. Mais le jour où on se retrouve tout seul, tout on fait. Doit savoir s'auto-encourager. Amen. Amen. Sinon, ça va être compliqué de pouvoir développer cette mentalité-là lorsqu'on est surtout tout seul. Tout à fait. Effectivement, on le voit avec Josué, comment Dieu va parler à Josué, dire que voilà, fortifie-toi. Moïse a fait un certain travail, maintenant tu veux continuer à faire le travail que Moïse faisait, voilà comment il faut faire pour avoir le succès. C'est il ça. Va lui dire, fortifie-toi. Fortifie il ne dit toi. Pas que peut-être que tes collaborateurs, que quelqu'un te fortifie, que la foule, ou laisse-toi fortifier. Laisse-toi fortifier. il dit fortifie-toi. Et le pasteur Darius, d'ailleurs, l'apôtre, tu viens de le dire, parce qu'on peut se retrouver face à certains cas de figure où par exemple tout le monde dit des choses par exemple négatives contre c'est toi ça. Est-ce que tu seras même de transcender ça et te fortifier et continuer à marcher tête haute? Je pense que c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'apprendre de cerner les principes qui vont nous aider à nous encourager. Et ce qui est remarquable, Dieu dit à Josué, prends courage quand c'est même. Ça. Donc, il y a une façon, le courage est où, on le prend où. Donc, il y a des principes qui vont nous aider à prendre courage, à emmagasiner, je dirais même, le courage au-dedans de nous, Amen. Finalement. Amen. Il y a quelque chose qui est quand même assez particulier, on parle de se décourager. Mm. C'est quelque part que nous sommes acteurs de notre découragement. C'est ça, ce verbe-là, se décourager. Décourager. C'est qu'on est acteur de notre découragement. Donc, l'idée, c'est de réussir à capter ce qu'on a fait pour se décourager. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons fait. C'est déjà, ça. C'est réussir, déjà accepter le fait que si on est découragé, nous sommes les premiers responsables. C'est ça. Donc, et se dire, OK, je me suis découragé, donc je dois m'encourager. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse être encouragé? Quelles sont les choses que je dois faire? Notamment le passage de Josué qui dit qu'il faut qu'il prenne courage lui-même, qu'il regarde à lui-même et qu'il décide de prendre courage Amen. Comme quelque chose qu'il faut prendre, qui est là quelque part. Amen. Il faut juste tendre la main Amen. Et l'attraper et la faire sienne en fait. Mm-hmm. Et je pense que
Lorsqu'on voit les choses comme ça, ça aide beaucoup justement à s'encourager, à sortir du coup de découragement. Amen. Vous savez, savoir s'encourager, c'est vraiment important. Amen, hein, amen, parce qu'il y a des situations dans la vie qui vont effectivement vous décourager, qui vont vous abattre. Et c'est important de savoir se dire ce qu'on peut dire à quelqu'un lorsqu'on veut l'encourager. Amen, amen. C'est important. Lorsque quelqu'un est découragé, qu'est-ce que vous allez lui dire? Et vous devez être capable vous-même de vous le dire. Sans pour autant se sentir ridicule. C'est tout à fait. Parce qu'en fin de compte, c'est le fait de se dire, voilà, il y a telle situation, elle a l'air néfaste. Et se dire, en fait, elle n'est pas si néfaste que ça. Il y a forcément une solution, il y a forcément de l'espoir. C'est ça. Et décider de se focaliser sur les bons côtés de, cette problématique. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des bons côtés. C'est parce que j'ai déjà échangé avec des gens qui se disent, non, c'est pas possible, il n'y a pas de solution, il n'y a que des mauvais côtés dans cette problématique. Alors que non, impossible. Parce que déjà, le simple fait que la problématique soit là, c'est une bonne chose parce que tu sortiras de là grandi. Rien que ça déjà. C'est sûr et certain que tu as sortir de là grandi. Maintenant, tu te dis, qu'est-ce que je peux apprendre? Peut-être que, je vais donner un exemple, une fois, je me retrouve, j'avais jamais changé de pneu, et je me retrouve sur l'autoroute, le pneu est crevé. J'ai jamais fait ça. Et je me dis, mais purée, comment je vais me débrouiller? Là, il est tard, j'ai déposé des gens, voilà, j'étais en train de faire des choses du ministère, j'ai déposé des gens, mais comment je fais? J'ai jamais changé de roue. Et je commence à me rappeler toutes les fois où j'aurais pu regarder un tonton changer la roue, mais que j'avais pas le temps. Ça m'intéressait pas. Et là, je me dis, oh là là, c'est dommage. Et là, je commence à regarder sur Internet comment on fait. J'essaye de tant bien que mal. Je me rends compte qu'il y a des outils qui manquent dans le véhicule. Et là, je commence à faire du stop, à essayer d'arrêter des voitures. Quelqu'un arrive, il commence à faire, je regarde. Et voilà une situation qui a l'air bizarre, qui a l'air pas bonne, mais je sors de là. Maintenant, j'ai acquis la sagesse de comment changer une roue. Et du coup, je me dis que c'était une bonne chose, en fin de compte. Mais si, sur le coup, je commençais à me dire, c'est foutu, c'est fini. Mais la mentalité, par la grâce de Dieu, que j'ai pu avoir, c'était, non, je vais m'en sortir, ça va fonctionner. Certes, je vais perdre un peu de temps sur ce que j'avais à faire comme programme, mais ce qui est sûr, c'est que je vais sortir de là grandi. Mais avec cette mentalité, j'ai été encouragé, je n'ai pas stressé, je n'ai pas paniqué, et j'ai sorti de là grandi. Exactement. En fait. L'apôtre, il y a une idée qui me vient, on parlait de José tout à l'heure. Je me rends compte, et tu nous le dis souvent quand tu prêches, que tu n'aimes pas rouler avec un véhicule, avec un peu de carburant. À la réserve. Je ne roule pas à la réserve. Je ne suis pas de cette classe là. Ou être à découvert. Dieu dit quand même à Josué, prends courage. Ça veut dire qu'il y a un compte au niveau mental qui doit être rempli en termes de courage. Ça dit finalement, les gens qui se découragent, c'est parce que peut-être le compte n'est pas assez garni en termes de courage. C'est ça, amen. Ils sont à découvert. Donc on peut mettre à découvert. Ils sont dans la réserve. Certains sont dans la réserve, certains sont même dans le moins. Donc ça fait que quand les épreuves arrivent, on perd le courage. Finalement, on voit que ça ne s'improvise pas. Dieu dit quand même à Josué, prends le courage. Mais comme on est en train de parler des mécanismes, il nous montre déjà comment on le prend avec des paroles qui sortent de notre bouche. C'est comme ça qu'on emmagasine le courage dans notre âme, finalement dans notre subconscient. Donc il y a ce compte-là, peut être riche, il peut être à moitié ou complètement pauvre, et c'est comme ça qu'on se décourage finalement. Comment développer une mentalité de champion, comment donner de la force mentale? Il faut donner à votre âme des outils. Amen. Il faut donner à votre âme des arguments. C'est important parce que ce qui affaiblit votre âme, ce qui affaiblit votre force mentale, ce sont les arguments opposés que vous avez. Vous avez des arguments contraires, en fait. Vous devez donner des informations à votre âme, au sujet de ce que vous êtes, au sujet de votre potentiel et de vos capacités. C'est important. Et donc, écouter des matériaux qui vont vous encourager, vous donner ces outils. C'est vrai. Et là, ça me fait penser à l'histoire de Pierre avec Jésus. Ils vont voir, les disciples vont voir Jésus marcher sur l'eau. Et ils vont lui dire, Pierre va lui dire, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi, ordonne-moi de venir. La Bible dit que Pierre va oser, il va marcher sur l'eau. Et pendant qu'il est en train de marcher, il va regarder autour, il va voir l'eau, il va voir la tempête, et là, il va commencer à couler, à s'enfoncer. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il y avait déjà la tempête. C'est ça. Mais pourquoi? Parce que la tempête ne s'est pas levée parce qu'il a commencé à marcher. C'est ça. Il y avait déjà la tempête. Mais qu'est-ce qui a fait que, malgré la tempête, qu'il ose marcher sur l'eau? Parce qu'il marchait sur la base d'une parole qu'il y avait
été donnée. Amen. Il marchait sur la... Il avait courage, il avait cette force intérieure Amen. Qui lui disait, tu vas y arriver, continue, à, voilà, continue à faire confiance sur cette parole. Amen. Mais en regardant le, autour de lui, en fait, les événements autour ont commencé à argumenter. Amen. Ont commencé à argumenter en lui. N'étant plus focalisé sur le Seigneur, il n'avait plus d'arguments. C'est ça. Pour maintenir ça. Sa foi, en fait. À partir de là, elle a commencé à couler. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de toujours se focaliser sur ce qui nous donne les arguments. C'est ça. Pour garder le cap. C'est ça. D'où le fait qu'il faut éviter les mauvaises compagnies. C'est exactement ça. Il faut ça. Éviter de dire des mauvaises choses sur, la, sur les gens. Il faut éviter les personnes qui découragent, qui voient les personnes qui parlent négativement. C'est ça. Parce que ces personnes-là, vont te donner, ça va être l'environnement qui va donner les mauvais arguments. C'est ça. Alors que la parole de Dieu te donnera toujours les bons arguments. Il faut écouter des personnes qui vont t'encourager. Amen. Je vous prends un exemple très simple. Vous êtes peut-être en train de vivre une situation où vous dites, oh là là, je suis mal né en fait. Mais quand, par exemple, je vais vous dire, tout homme naît sur la terre, avec le potentiel d'accomplir sa destinée. C'est un matériau que je vous donne pour pouvoir reprendre courage. Je vous dis, je suis né, alors j'ai le potentiel en moi de pouvoir réaliser ma destinée. Amen. Peu importe comment je suis né, peu importe ce avec quoi je suis né, peu importe le milieu dans lequel je suis né, peu importe la couleur de ma peau, en moi, il y a le potentiel nécessaire pour réussir ma vie. Amen. Amen. Et il faut que ceux qui nous regardent comprennent qu'en fait, Dieu ne crée pas d'échec. L'échec est quelque chose que les humains créent eux-mêmes. C'est ça. Dieu a mis l'homme sur la terre dans un cadre bien. Déjà, la terre est riche, donc dans des conditions pour pouvoir réussir, pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir prospérer. Donc, l'échec ne vient pas de Dieu. Amen. On voit qu'il va dire, moi, l'Éternel, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Un avenir fait d'espérance. Amen. Un futur glorieux. Donc, l'échec n'est pas dans le langage, dans l'univers divin. C'est l'homme lui-même qui crée l'échec. On peut voir des personnes, à beaucoup de cas, des personnes qui sont même nées dans des conditions difficiles. Ceux qui ont réussi, ce sont ceux-là qui ont développé une certaine mentalité. Ils ont regardé leurs conditions comme une source de motivation, comme une source pour chercher la vérité, chercher des principes pour avoir le succès. Justement, donc, ça me fait penser à toi, apôtre, parce que souvent, tu le racontais là où tu as grandi, dans un endroit vraiment où même les pauvres, apparemment, vous appelez pauvres. C'est-à-dire que c'est là où j'ai appris qu'il y avait des pauvres parmi les pauvres. Parmi les pauvres, c'est ça, c'est ça. Et du coup, personnellement, quand j'entendais parler de ça, je me disais, waouh, c'est bien, jusqu'au jour où on va là-bas. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, là c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, même, je comprends pourquoi les pauvres, les appelaient les pauvres. C'est-à-dire que c'est quand même un environnement, il y a tout vraiment pour échouer. Non, c'est clair. Vraiment, il y a tout l'environnement est créé pour échouer, être un échec. Et c'est là où je comprends justement. Mais d'ailleurs, dans cet environnement-là, tous ceux qui réussissent, on les accuse de faire la magie et la sorcellerie déjà. Tout à fait. C'est ça la mentalité de cet endroit-là, en fait. C'est-à-dire que même ceux qui vont réussir, du coup, le fait que tu es sorti de là, c'est-à-dire qu'avec être devenu pasteur, avec un grand ministère, avec cette mentalité que tu as aujourd'hui, c'est vraiment difficile à penser, à s'imaginer comment tu as fait pour sortir de là, alors que j'ose imaginer combien de fois la mentalité des gens là-bas est fermée, en fait. C'est-à-dire où les gens se disent que pour réussir, soit il faut être un bandit, soit il faut être un voleur, ou bien même être dans la magie, dans des choses comme ça. Que des choses comme ça, parce que même franchement, celui qui voudrait être intègre, je ne sais pas comment il va faire. Mais c'est compliqué. Mais tu sais que moi, quand j'y réfléchissais, Pasteur Isaac, quand je réfléchissais à mon témoignage, à ce qu'il dit, je me suis dit, mais en fait, cette mentalité positive que j'ai toujours eue, cette force intérieure que j'ai toujours eue, je l'ai eue où en fait? Parce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas né avec. Et j'ai essayé de réfléchir, de voir en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ma mère qui avait mis des semences comme ça, des semences positives dans ma vie en fait. Parce que quand l'ange était apparu à ma mère, vous connaissez un peu l'histoire, en fait, ma mère me disait souvent, quand j'étais plus jeune, petit, même enfant, et que je voulais faire des bêtises comme tout le monde, elle me disait toujours, tu ne dois pas faire les bêtises comme tout le monde, tu es spécial. Tu es spécial. Ne fais pas comme les autres, tu es spécial. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a développé cette mentalité-là. Parce que je me suis dit, non, je suis spécial. J'ai commencé à travailler à l'école avec cette mentalité-là. Et c'est là le rôle, en fait, des parents. Les parents doivent planter ça, en fait. Pour qu'à un moment donné, les enfants se demandent, mais au fait, quand est-ce que j'ai développé cette mentalité positive-là? C'est tout petit, en fait. Amen. C'est là, on voit vraiment qu'il y a des sources de paroles qui vont être déterminées, importantes exactement. Dans la vie de quelqu'un. On voit et beaucoup vont s'affaiblir parce que depuis leur jeune âge... Tout à fait. Et c'est pour ça, vraiment, les gens
on parle souvent des mauvaises paroles. On a vraiment un exemple des parents, d'une mère qui a dit des bonnes paroles à son enfant. Et ces paroles se sont vraiment ancrées. Ça a aidé. Je pense que la pauvre, en dehors de ça, c'est qui t'a aussi beaucoup. Je pense que tu as toujours été un grand lecteur. Et tu as toujours regardé des héros. Voilà quoi. Je pense que ça aide toujours à se faire un focus, dire que voilà ce que... Je peux réussir. Si lui l'a réussi, je peux réussir. Dieu est avec lui. Les gens ont vécu des défis, mais ils ont réussi. Donc moi aussi, je peux réussir. Je pense que ça aide. Avoir la lecture comme un style de vie. C'est ça. Bon, ça peut être les livres audio aussi. Hein, pour ceux qui aiment les livres audio. Mais ça aide à emmagasiner des choses dans l'âme, ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment la lecture. On voit l'apôtre Paul qui lisait beaucoup, voilà, qui écoutait également des choses. Donc on est vraiment dans les mécanismes. Les gens ne comprennent pas, en fait, que... Vous voyez, même lire la Bible, même lire la Bible, ça va semer en nous des matériaux qui vont tu lis la Bible, en fait, tu apprends qu'en fait, on peut mettre quelqu'un dans le feu et le feu ne va pas le brûler. Ça sème des choses, en fait, c'est incroyable. tu lis la Bible, tu te rends compte qu'on peut mettre quelqu'un dans une fosse et il y a des lions. Les lions ne vont pas le manger. Tu découvres, en fait, que les gens peuvent traverser la mer Rouge. Tu découvres des choses incroyables qui vont booster ta mentalité et t'introduire dans la sphère où l'impossible devient possible. C'est très important. Je pense vraiment que, personnellement, moi, la parole de Dieu a complètement changé ma mentalité. Le jour où j'ai réalisé qu'un homme est devenu riche parce qu'il était sage, je me suis dit, non, tu deviens riche parce qu'on te donne de l'argent. Non. Et là, on dit qu'un homme est devenu riche, le plus grand, il est devenu tellement riche, plus que n'importe qui sur la terre, parce qu'il était sage. C'est parce que Dieu lui a donné la sagesse. Je me suis dit, non. Donc, la sagesse peut te rendre riche. Amen. Et c'est comme ça que je commençais à me dire, non, il faut développer la sagesse. Il faut que je cherche la sagesse. Et je me rappelle vraiment, j'avais lu ce passage vraiment, on avait lu l'histoire quand je devais peut-être avoir 8 ans, 10 ans. Et à chaque fois que je priais, je disais, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Et je pense que ça fait partie des choses qui m'ont aidé à avoir une mentalité forte. Parce que dans les moments difficiles et dans les choses que j'ai pu traverser, et vraiment la parole de Dieu ouvre notre mentalité à des possibilités. Océan de possibilités. On peut guérir les malades. C'est possible. Donc, il n'y a pas que le médecin qui guérit les gens. C'est ça. Bon, le problème avec les gens qui lisent la parole de Dieu, en fait, c'est la mentalité religieuse qui les empêche de voir les choses comme nous on voit. En principe, quand vous lisez la Bible, vous êtes motivé. Moi, quand je lis la parole de Dieu, mais je suis encouragé. Et parce qu'en fait, Dieu nous a délivrés à l'ACER déjà de la mentalité religieuse et des lunettes religieuses. On ne lit plus la Bible comme tout le monde, en fait. On lit la Bible, on tire profit et on voit toujours des choses qui vont nous motiver et qui vont nous booster, en fait. C'est important. Il y en a qui vont lire la Bible, en fait. L'histoire de Salomon que tu as dite là, il y en a qui vont lire l'histoire de Salomon. Ils vont se rappeler juste le fait que Salomon avait 300 concubines et 700 femmes. C'est ça qui va les marquer, Je peux pas être riche, je risque de finir pendant que toi, ce qui t'a marqué, c'est le fait que ce gars est devenu riche à cause de la sagesse. Lui, il n'y a que l'histoire des femmes là qui l'intéresse dedans. si je suis riche... Ah, c'est vrai, hein. Mais en plus, quelqu'un m'avait déjà dit ça une fois. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. Il dit, mais pourquoi Dieu ne permet pas comme à l'époque? Mais franchement, là, on nous bloque. Ils étaient bien à l'époque. Alors qu'ils n'en étaient pas ainsi véritablement au commencement. C'est les mecs qui a commencé avec cette histoire de polygamie, là. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent le mec. C'est lui qui a commencé avec ça, mais il n'en était pas ainsi au commencement. C'est ce que la Bible dit, on voit bien Adam et Ève. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous donner déjà des matériaux. Après, il y a beaucoup de livres d'épanouissement personnel. Vous allez dans les librairies, vous allez dans le rayon épanouissement personnel, motivation personnelle. Parce que un champion doit se garder motivé. Vous savez, un champion n'est pas motivé par les circonstances. Un champion est motivé par la vision. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, les circonstances peuvent être contraires et sembler tirer la vision en arrière. Mais le champion qui se focalise sur la vision, c'est celui-là, en fait, qui va rester motivé. Et vous n'avez pas le choix. Vous devez apprendre à rester motivé. Parce qu'il y aura des facteurs
pas de découragement. Amen. Il n'est pas, il n'est même pas d'abord de comment dire, encouragé par la foule. C'est ça. Parce c'est ça. Un jour, la foule peut lui tourner le dos, yes. Mais il doit apprendre de se motiver d'abord si lui-même. Si Noé attendait que la foule puisse l'encourager. Et pourtant, il est en train de faire quelque chose de grand quand même. Hein. Le monsieur construit une super structure, en fait. Et on voit comment ça monte, en fait. Et à cette époque-là, peut-être qu'un être humain n'avait pas encore fait une structure comme ça. Amen. La foule avait de quoi l'encourager. Mais au lieu de l'encourager, la foule s'est moquée de lui et l'a découragé. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est important de toujours rester motivé. Parce que, attends, tu arrives, attends, en plein désert, tu construis un grand immeuble comme ça, mais c'est surprenant, c'est épatant. On sait quand même dans la parole de Dieu que cette arche-là a été construite avec des instructions de Dieu. Hein. C'est divin ce qui est en train de se passer. Et ça pouvait les surprendre, mais les gens ne les ont pas surpris. C'est pour ça que le champion n'attend pas forcément qu'on l'acclame pour pouvoir être motivé. Alléluia. Et c'est pour ça que je pense que tu as dit une chose qui est particulière tout à l'heure en parlant de la vision. Et je pense que vraiment la vision est comme un véhicule. Et l'essence de ce véhicule, c'est les arguments qu'on trouve pour alimenter la vision. C'est ça. Se dire que non, mais je vais y arriver parce que tel a réussi. D'ailleurs, et c'est pour ça que je pense que la parole de Dieu est rempli d'arguments qui nous démontrent qu'on ne peut que réussir. En fait. Et limite, il est beaucoup plus dur. À force de lire la parole de Dieu, je me rends compte qu'il est beaucoup plus dur d'échouer que de réussir. Parce que vraiment, on a tout pour réussir. Il nous a promis la réussite. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il dit qu'il nous a donné son nom. Il nous a donné un rang supérieur. Il a fait de nous ses enfants. Son esprit est en nous. Et sur notre déclaration, les choses changent. Nous appelons à l'existence des choses qui n'existent pas. Pour vraiment échouer, c'est qu'il faut être fort. Hein. Non, c'est vraiment, clair. Il faut vraiment être fort. Et je pense que c'est cette mentalité-là où on se dit on ne peut que réussir, qui nous poussera à réussir. C'est en ça. Fait. C'est ça. Donc on déroule quand même les mécanismes là, donc on voit que mais il faut. Mais depuis longtemps, on a commencé. En fait, on a commencé à développer. On avait déjà déroulé les mécanismes. On est en train de dérouler. Oui, tu peux dérouler déjà. Déroule tout. C'était pour vous. Déroule-moi ça. C'était pour vous faire rire. Déroulons. On voit quand même que. Déroule-moi ça. L'âme est un facteur. Je pense que, comme on l'a dit dans nos émissions, quand on nourrit, on manage bien l'âme, on va réussir, on va avoir une mentalité forte. C'est surtout pour ceux qui nous regardent, qui ne soient pas fatalistes, qui ne soient pas des défaitistes, se dire qu'il y en a qui sont nés avec une mentalité forte. Ce n'est pas du tout le cas, je pense. Il faut prendre conscience. Il faut prendre vraiment la prise de conscience. C'est peut-être certaines personnes passent par des difficultés, mais dans les difficultés, il y a un cri. Il y a un cri où il faut prendre conscience, il faut se dire non, il y a d'autres méthodes, je dois orienter ma vie d'une certaine façon. Je pense que la sagesse vient, comme le pasteur Darius le disait, la sagesse vient certainement par les hommes, par la méditation, ainsi de suite, par les épreuves également, les défis. Si on a une bonne attitude face aux défis, on pourra tirer vraiment des informations. Donc, peut-être pour encourager un mécanisme, bon, on a commencé. Dans Proverbe 4, la Bible va dire « garde ton cœur ». C'est vrai qu'il y a le côté de le protéger de des mauvaises influences, mais je pense également le nourrir, en fait. C'est ça. On pense à la Bible. On voit que l'âme a besoin d'entendre. C'est ça. L'âme a besoin de voir, on parle de vision, des images, des héros. Si on te demande de garder un jardin, si tu ne nourris pas les fleurs et les plantes qui sont là-bas, ça va mourir, les mauvaises herbes vont pousser. Hein, tu te tiens là devant le jardin. On m'a dit juste de garder. Je suis là. C'est ce qu'on m'a demandé. On m'a pas dit de cultiver, on m'a dit de garder. Donc quand tu dis garde ton cœur, il y a de la nourriture à donner à ton cœur. Je ne sais pas la portion, on peut peut-être lire parce que beaucoup de téléspectateurs nous regardent. Il y a l'espoir pour vous avec la parole de Dieu, le mécanisme. Vous êtes peut-être affaibli, peut-être il y a un événement qui vous a affaibli, mais je voulais vraiment lire avec la permission de l'apôtre. Dans Proverbe 4, dire que votre âme peut être renouvelée. Peut-être que vous avez même eu des mauvaises informations, vous avez dit des mauvaises choses. Ce qui est bien avec la parole de Dieu est toute puissante. C'est ça. Les paroles des hommes peuvent être puissantes, mais la parole est toute puissante. Donc, elle a la capacité de venir extirper des mauvaises choses qui ont été plantées. Il y a vraiment l'espoir avec la parole de Dieu. Je ne sais pas si on peut lire. Bon, c'est le passage où il va dire, mon fils, garde mes paroles, prenne l'oreille, sois attentif. Donc, 4, vraiment, verset 19. Voilà, 4, 19, ainsi de suite. C'est la médecine, ainsi de suite. On voit vraiment que l'âme a besoin, vous qui nous regardez, l'âme a besoin d'entendre. C'est ça. L'âme a besoin de voir. Et effectivement, l'âme a besoin des expériences. C'est ça. Si vous avez vécu des mauvaises expériences, il faut commencer à faire le pas avec des bonnes expériences. Amen. C'est comme ça que
l'âme déjà est renouvelée, oui, voilà. et se fortifie également, se fortifie. Nous ne sommes pas l'âme, c'est ce que nous donnons à l'âme qui va déterminer sa force ou sa faiblesse. C'est ça, c'est ça. C'est comme un véhicule. Je suis un conducteur d'un véhicule quelconque, mais je suis le conducteur. Si je ne mets pas le carburant, si je mets peut-être le jus de canne à sucre dans mon véhicule qui marche, ça ne va pas marcher. Ça, je peux te garantir. Mais c'est moi qui donne le jus de canne à sucre à mon véhicule, du coup, je l'affaiblis quelque part, il ne va pas m'amener quelque part. C'est ça. Mais si je mets, par exemple, le carburant qu'il faut, mais je donne la force au véhicule et je veux pouvoir l'amener quelque part. Là, mais comme ça, je pense qu'il y a vraiment l'espoir. Il faut simplement commencer, il faut prendre conscience, il faut nourrir son âme. Si on remplit l'âme de la parole de Dieu, mais l'âme va être forte. Tu disais tout à l'heure, pasteur, que en fait, l'âme, il faut l'éduquer et il faut vivre des expériences. Parce que l'âme se forge avec les expériences. Mauvaise ou bonne, l'âme se forge avec ça. Et si vous avez vécu des mauvaises expériences, il faut vivre les bonnes expériences pour pouvoir reforger votre âme. Et si l'occasion de vivre ces expériences ne se présente pas, vous pouvez les vivre dans le monde imaginaire. Dans l'imagination, en fait. Parce que l'âme ne sait pas faire la distinction. L'âme ne sait pas faire la distinction entre ce qui est en train de se faire dans le réel et ce que vous êtes en train d'imaginer. Sinon, pourquoi vous avez peur quand vous pensez à quelque chose que vous n'avez pas vécu, en fait? Sinon, pourquoi vous êtes dans la joie lorsque vous pensez seulement à quelque chose de bien, c'est en fait? C'est vrai. C'est vrai, apôtre. J'aimerais rebondir sur ce que tu es en train de dire parce que le Seigneur me parlait vraiment de ça en me disant qu'il faut vraiment faire attention à ce que nous imaginons, nos pensées qui passent dans notre tête. C'est ça. Nous pouvons sélectionner et dire « Je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela, je veux ceci, je veux cela. Wow. » Notre âme va fonctionner comme tu l'avais enseigné une fois en disant que notre âme ne sait pas, même l'époque dans laquelle nous sommes, il ne sait pas faire la différence si nous sommes en train de vivre une réalité ou pas. Ils ne savent pas, les émotions ne font pas cette distinction-là. Et c'est pour ça même des fois devant un film, tu vas regarder peut-être une série, il va avoir un acteur peut-être que tu aimes bien, tu vas dire « Non, mais Jason ne va pas mourir. Non, Jason ne meurt pas. » Et pourtant, c'est une fiction. Le gars, il s'appelle même pas Jason. Voilà. Le gars, tout ce qu'ils font, c'est faux. Et tu le sais, ou bien même tu vas le voir mourir, tu vas dire « Oh non, c'est dommage, il est mort. » Pourquoi? Parce que ton âme pense que c'est la réalité. C'est ça. Pense que dans la même façon, si tu décides d'imaginer et que tu penses quelque chose de positif, ton âme ne fera pas la différence. C'est pourquoi, en fait, nous devons pousser notre imagination et voir ce que nous voulons vivre. D'ailleurs, derrière la méditation et la déclaration, nous devons voir quelque chose. C'est vrai. Parce que le Seigneur Jésus, qui va dire dans Marc 11, 23, si, en vérité, je le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point et croit dans son cœur, que ce qu'il dit arrive, il le verra. Il le verra, mais il l'avait déjà vu quelque part. C'est ça. C'est-à-dire, tu dois dire à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Mais tu dois le voir. C'est ça. Et c'est parce que tu l'as vu que tu le verras. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Et je pense que c'est important que nous puissions comprendre que notre âme fonctionne par image. C'est ça. Et que nous devons projeter le maximum d'images positives. Et pour finir, souvent, nous sommes là, par exemple, nous sommes assis ici, rien ne prouve, il peut vraiment tout se passer, mais nous avons l'assurance que nous allons rentrer chez nous et que tout se passera bien. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une image claire sur ce qu'il va se passer, en fait. Et c'est parce que nous avons cette image claire que ça arrivera ainsi, nous allons juste dérouler les choses. Amen. C'est comme quand tu nous expliques que au bout d'un moment, quand on prend le même chemin pour aller au travail, on ne réfléchit même pas. Ça devient instinctif. Et c'est ça, en fait, que nous devons installer au-dedans de nous. Le fait que ça devienne instinctif, en c'est fait. Ça. C'est-à-dire où nous aimons par réflexe, où nous décidons de nous encourager par réflexe, où lorsque les mauvaises situations arrivent, automatiquement, nous voyons la solution, nous sommes encouragés. Voilà, l'apôtre, vraiment, ce point est très, très crucial. Je prenais vraiment comment l'âme. Mais on peut vraiment bénir Dieu de nous avoir donné l'âme. Amen. Parce qu'on voit souvent le mauvais côté de l'âme, alors que c'est nous qui permettons notre âme de dysfonctionner. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, tu étais en train de parler de l'imagination. On comprend finalement que le subconscient ne fait pas la différence de ce qui est vrai de ce qui est faux. Non, en fait, il prend ce qu'on lui donne. Donc, tu étais vraiment en train de dire qu'on peut vivre nos expériences. Si on a vécu des mauvaises expériences, on peut créer nos bonnes émotions. C'est ça, exactement. L'âme ne tient pas compte du fait que c'est imaginaire, tu n'es pas en train de le vivre. C'est ça.
le subconscient va accepter ça et nous faire vivre le bonheur conséquent en rapport avec ça. Exactement. Ça, c'est vraiment formidable. Non, mais les gens doivent le comprendre. On peut, bon, il faut pousser un peu là, l'enseignement un peu plus loin parce que, bon, si vous lisez mon livre « Comment entendre la voix de Dieu », je vous explique ce qu'il y a dans l'âme, en fait. Dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la mémoire, il y a les émotions et les sentiments et il y a le subconscient, en fait. Il faut comprendre que les émotions et les sentiments ne font pas de différence entre le réel et maintenant, en fait. Et le subconscient aussi ne fait pas de différence. C'est l'intelligence qui va savoir que non, là, on est dans le présent, là, on est dans le futur, là, on est dans le machin. Et l'intelligence va donc nous permettre de créer l'imaginaire qui va nous permettre de pouvoir correctement dresser nos émotions, en fait. C'est dans l'intelligence. De créer les émotions qu'on veut. Voilà, de créer les bonnes émotions, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est important. Et vous devez faire cet exercice-là, en fait. C'est important. Si vous ne faites pas cet exercice-là, vous serez constamment malheureux. C'est pour ça que le bonheur, c'est une décision. C'est une décision. Et quand on dit ça à certaines personnes, ces personnes sont... Non, elles ont du mal. Elles sont choquées. Parfois, même, elles s'énervent contre nous. C'est vrai. Elles disent, non, tu ne peux pas dire que c'est une décision. Moi, je ne vis que des mauvaises choses, des malheurs, des machins. Je n'ai pas décidé. Voilà comment Joseph, dans une prison, il va être heureux, en fait. À un point où il trouve anormal que les autres ne soient pas heureux. Vous voyez, comment il fait ça? Parce qu'il a pris cette décision, comme tu dis. Et je pense que dans beaucoup de choses, hein, c'est là où beaucoup de gens se méprennent, parce qu'ils pensent qu'ils sont victimes, alors que nous sommes acteurs. C'est ça. Nous sommes véritablement acteurs. Dans plusieurs situations, moi, j'ai décidé de garder la paix. J'ai dit, je refuse d'avoir peur, je refuse de stresser. C'est pas dit qu'en le disant, tout de suite, ça prend effet. Ça peut peut-être être une éducation qu'on donne à son âme qui va prendre un temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à force de lui donner cette image-là, c'est ça qu'il va croire. C'est un peu comme l'idée des habitudes, en fait. Une habitude, les scientifiques vont dire qu'une habitude s'installe au bout de plusieurs répétitions, et en général, au bout de 21 fois. Quand on répète 21 fois la même chose, au bout d'un moment, ça devient une habitude. Quand ça devient une habitude, c'est ce qu'on appelle maintenant, nous, le naturel. Et du coup, ce qui veut dire que le naturel peut être changé. C'est ça. Quand on dit que non, moi, quand c'est comme ça, je m'énerve. Non, tu peux changer pour que dans la même situation, la joie se manifeste. La paix se manifeste. Alors qu'en temps normal, tu étais censé t'énerver. Mais tu as dit non, dès qu'il y a cette situation, je suis dans la joie. Peut-être au début ça peut être compliqué, mais à force de le faire, tu vas être dans la joie. Et c'est exactement personnellement ce que j'ai fait par rapport au problème. Dès que j'ai un problème, je me dis j'aurai forcément une solution. Un jour tu avais prêché, il y a très très longtemps, c'est parmi les premières fois où j'attendais ça, où tu disais en fait derrière chaque problème gravitent des solutions. C'est ça. Autour de chaque problème gravitent des solutions. Si c'est un problème que je rencontre, que je ne peux pas résoudre, en fait, c'est un problème que je rencontre. Je ne rentrerai jamais. Si je le rencontre, c'est qu'il y a la solution derrière. C'est ça. Apôtre, j'ai pris ça vraiment comme... Je me suis dit, c'est la vérité. C'est un axiome, c'est un postulat. C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai pris. Comme ça. À partir de ce jour-là, tous les problèmes que je rencontrais, je me disais, la solution est quelque part. Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas trouvée qu'elle n'est pas là. C'est ça. C'est juste que je vais la trouver. C'est ça. Donc, à chaque fois que je rencontre un problème, je me dis... Merci Seigneur, parce que je sais que la solution, elle est là. Je vais la trouver. Et c'est devenu une mentalité. C'est devenu une habitude. Aujourd'hui, j'ai du mal à me dire qu'un problème restera problème. C'est ça. C'est impossible. C'est vraiment impossible. On voit que tous ces héros-là, ce qui faisait leur force, je pense, c'est vraiment la discipline. La discipline, là, dans la mentalité je pense, aussi. Une mentalité, enfin, vraiment soumettre là même certaines disciplines, la discipline des confessions. Dieu va dire à Josué que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, en fait, parle à ton âme. C'est David va le faire. Parle à ton, c'est le style de vie que tu dois avoir, jour et nuit. C'est son style de vie. Bon, on parle peut-être de l'esprit, on voit que Daniel également, il priait, entre autres, trois fois par jour. David priait trois fois par jour. Mais David le faisait tout le temps. David parlait tout le temps à son âme. C'est vrai, tout le temps. Pourquoi t'abats-tu mon âme? Ne t'abats pas mon âme. Il le faisait tout le temps. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. C'est important. Il vivait quand même une vie de pression où il avait beaucoup d'ennemis, en fait. Il avait des ennemis à l'extérieur, mais il en avait aussi à l'intérieur. Donc, il fallait qu'il s'automotive. C'est important. Il ne devait pas s'attendre forcément à ce que Bathsheba le fasse ou bien que... Bathsheba, c'était sa femme. C'était la femme qu'il a... Celle qu'elle a flinguée sur le toit. Voilà. Il ne devait pas s'attendre.
Il ne devait pas s'attendre à ça, il devait se battre à le faire. Et il fallait parler à son âme. Amen. Et parfois, vous devez parler à votre âme, en fait. Quand votre âme se met dans un état qui va vous affaiblir, mes chers frères et sœurs, parlez à votre âme, commencez à le faire. Parfois, mettez-vous devant un miroir. Vous savez, quand vous vous mettez devant le miroir et que vous avez du mal à vous regarder en face, il y a quelque chose au-dedans qui ne va pas. Qui ne va pas, oui. Non, c'est vrai. Soit tu as honte, soit tu as peur, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être capable de se regarder dans un miroir. Soit on est complexé. C'est ça. Vous voyez, non. Il faut être capable de se regarder dans un miroir et de se parler à soi-même pour relever son âme. Parce que ton âme ne doit pas rester dans l'abattement. Il doit reprendre courage. Et puis, bon, on voit également, tu le dis souvent, mais on ne confesse pas. Parfois, on n'attend pas d'être face au défi pour confesser. On voit que la particularité de ces hommes-là et même ces femmes-là, ils avaient un style de vie. C'était des personnes disciplinées en matière peut-être de prière, en matière de confession. C'est ça. On le voit, tu le dis souvent, c'est quand on s'est beaucoup entraîné dans le secret et qu'on arrive à la scène, en fait, on agit avec des réflexes de l'entraînement. C'est pour ça, tout à l'heure, on parlait même des sportifs. C'est comme ça que les sportifs font. Ils s'entraînent dur quand le match arrive. Ben, les réflexes sont là, ils jouent avec des réflexes. Je pense que c'est ce qui a fait la force de Daniel, de Joseph, de tous ces grands-là dans la parole de Dieu qu'on a cité, c'est qu'ils avaient ce style de vie-là. Ils savaient fortifier leur âme, ils savaient parler à leur âme. David, c'est sûr, quand il y avait l'adversité, les défis, même en dehors, on voit que c'était leur style de vie, n'attendait pas. Ça fait que quand un défi, un problème arrivait, les bons réflexes étaient là. Les bonnes émotions prenaient le relais. Parfois, je pense qu'ils ne réfléchissaient pas. Parce que les émotions, ce n'est pas l'ordre de l'intelligence. C'est ça. C'est quelque chose qui est enfoui dans le subconscient. C'est ça. Mais cette énergie positive-là est drainée, nous donne des réflexes. C'est ça. C'est ce qui fait que Joseph, mais c'était sa nature d'être toujours en paix. David va le dire dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me conduit dans de verts pâturages, ainsi de suite. Quand le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Ça dit, quelle que soit la vallée, le bonheur est toujours là. Parce qu'ils avaient toujours ce style de vie-là. Ça fait, quand on a ce style de vie-là, quand les défis arrivent, les réflexes, les bonnes émotions prennent le relais. C'est ça. En fait, on a des réflexes de faire ce qui est correct. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est ça qui nous permet de pouvoir donner une clé qui a un rapport avec la prochaine série qu'on va démarrer, la force de l'esprit, en fait. Amen. C'est important de comprendre que, en fait, si votre esprit n'est pas fort, votre âme ne tiendra pas longtemps. Votre âme ne tiendra pas longtemps, c'est en fait. Vrai. Moi, j'ai vu, des personnes, aux États-Unis, il y a un monsieur dont la profession, c'était motivateur. C'est-à-dire qu'il faisait des conférences de motivation personnelle. Vous êtes un champion, vous êtes ceci, cela. Il passait du temps à motiver les foules. Vous savez comment il est mort? Il s'est suicidé. Comment est-ce que tu vas passer ta vie à motiver les autres et tu finis par te suicider? Parce qu'en fait, l'âme a des limites. Tout à fait. L'âme est soutenue par l'esprit, Vous comprenez? Amen. Et c'est pour ça que dans les prochaines émissions, on va vous parler de la force de l'esprit, en fait. L'une des clés, c'est fortifier votre esprit. Amen. Et fortifier votre esprit avec quoi? Avec la prière. Avec la méditation de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, la parole va nourrir votre âme, mais va nourrir aussi votre esprit. Mais la prière, si vous êtes fort dans votre esprit, votre esprit va donner de la force à votre âme. Et votre âme aura la volonté de faire, sera motivé. C'est pour ça que Jésus a dit, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Amen. Il dit, si on n'est pas connecté à Dieu, on ne peut rien faire en fait. Vous nous regardez actuellement, vous avez écouté cette série et vous vous êtes dit, j'ai de la force mentale. Je n'ai pas besoin d'être chrétien parce que j'ai la force mentale. Il y a des limites à ça. Chers chrétiens, développez la force mentale avec la parole de Dieu, avec les bons outils. Mais la relation avec Dieu maintenir cette force mentale. Parce qu'il y a une force qui est au-dessus du mental, force de l'esprit. Ça, vous ne pouvez la maintenir qu'avec la relation avec Dieu. C'est vrai c'est là où, justement, où nous avons un avantage d'être chrétien. C'est ça. Parce que non seulement la capacité de l'homme naturel s'arrête, nous pouvons encore aller bien plus loin. C'est-à-dire, nous pouvons vraiment aller bien plus loin. D'où l'importance, justement, d'être chrétien, parce qu'il faut naître de nouveau, il faut rencontrer le Seigneur pour que nous puissions aller bien plus loin, parce que nous sommes appelés à aller bien plus loin. Amen. Donc, ce qui veut dire qu'une personne, quand on étudie la vie de Jésus,
qui avait la force intérieure, c'est-à-dire au niveau déjà de son âme et spirituellement. C'est là où on se rend compte vraiment, quand on étudie en profondeur, on se rend compte que sa force allait bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Moi, ce qui me choquera toujours, c'est de voir que le monsieur va marcher sur la... Il va aller vers la croix, comment on appelle ça, va aller vers Golgotha avec sa croix, et à tout moment, il pouvait appeler les 12 légions d'anges. À tout moment. Mais c'est vachement tentant. C'est vachement tentant. Parce qu'il l'a dit déjà avant même qu'on l'attrape, il a dit non, Pierre, non, si je voulais, j'aurais appelé les 12 légions d'anges. Et ils allaient venir. Ils allaient venir. Mais c'est juste lui, pourquoi? Parce qu'il a décidé de soumettre son âme. Il a décidé, avec sa force intérieure, même de son esprit, de dire tu peux le faire, mais non, abstiens-toi. Ça veut dire qu'il était capable de faire le choix. Et c'est là où je bénis le Seigneur, justement, pour le fait d'être né de nouveau. C'est que nous avons le choix. Nous avons vraiment la portée du choix. Nous avons la capacité de choisir. Or, quand on n'est pas chrétien, il y a beaucoup de choses qu'on ne choisit pas. On subit beaucoup de choses. Et en étant chrétien, on peut choisir. Et le fait que le Seigneur Jésus ait choisi de porter cette croix jusqu'à Golgotha, on lui plante le premier clou. On enfonce. Il n'appelle toujours pas les anges. On l'enfonce là-bas, il n'appelle toujours pas. Oh, il reste sur la croix. Et le public, j'en ai marre. C'est là où on voit vraiment... Venez, maintenant on finit. On voit vraiment l'important, la force morale pour pouvoir maintenir, avoir les yeux rivés sur la mission. C'est-à-dire, s'il n'avait pas cette force morale, mentale-là, il n'allait pas aller jusqu'au bout de sa mission. C'est vrai que peut-être ceux qui nous regardent peuvent se dire que tiens, mais là, lui, c'est Jésus. Mais pensons quand même pas par Étienne. Étienne qui va également pardonner les gens qui vont le tuer jusqu'à la mort. Il va quand même pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils font. La Bible va quand même dire d'Étienne qui était rempli de foi. C'était un homme de foi, rempli d'esprit, plein de sagesse. Il faut quand même qu'on le dise, que la sagesse a pour lieu de prédilection quand même l'âme. La sagesse vient quand même pianoter dans notre âme. Donc Étienne également était fort dans son esprit. Il est lapidé jusqu'à la mort. Il va même voir la gloire de Dieu au ciel, ainsi de suite. Mais il a la capacité, la force morale de dire pardonne-le. Exactement. C'est quand même assez remarquable. On peut tout vous dire là. Si vous n'avez pas de relation régulière avec Dieu, moi j'ai remarqué une chose, c'est que les fois où j'ai perdu facilement la motivation, c'est lorsque je suis passé par une période de sécheresse spirituelle. Et c'est là où je me suis résolu, je me suis dit, plus jamais, plus une minute sans Jésus. C'est là où je me suis dit, non, il faut que je reste constamment connecté à Dieu. Parce que sans le Seigneur, on ne peut véritablement rien faire. Il dit demeurer en moi, c'est important. Tant que les branches restent connectées à l'arbre, la sève va couler. Et la vie va continuer à couler. Et vous allez pouvoir faire des choses, porter du fruit, avoir des résultats. Donc, il y aura des moments où vous aurez besoin d'une force supérieure pour maintenir votre force morale. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si vous me regardez, vous ne connaissez pas Jésus, on va vraiment vous aider. Actuellement, vous avez écouté le message. Et vous dites, non, je veux devenir chrétien. Je veux vraiment accepter la vie de Dieu en moi. Je veux me réconcilier avec Dieu. On aimerait vraiment t'aider maintenant. Pendant cette émission, j'aimerais tout simplement que tu répètes après moi. Et puis les pasteurs vont répéter comme si c'était vous qui répétiez. Vous allez dire après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je l'ai écouté. Je l'accepte. Dans mon cœur. Je déclare et je confesse que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Qu'il est vivant aujourd'hui. J'accepte la parole de Dieu dans mon esprit, dans mon cœur. Je reçois le pardon de mes péchés. Amen. Si tu fais cette prière-là sincèrement, je t'assure, ton esprit a été recréé. Le Seigneur Jésus est entré dans ta vie par sa parole et il règne désormais. On va prier pour tous ceux qui sont faibles moralement, qui vivent des situations où ils sont découragés. On va vraiment demander au Seigneur de les toucher là où ils sont, de libérer son onction. Nous savons que l'onction de Dieu fortifie. L'onction de Dieu fait du bien véritablement. L'onction a cette caractéristique là où ça peut rafraîchir l'âme et rebooster l'âme. On va prier pour ces personnes là. Seigneur, je te remercie. Oh, alléluia. Je te prie pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Tu connais la situation par laquelle ils passent. Ce n'est peut-être une situation décourageante. Au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur tout esprit de découragement. Je chasse le découragement de leur vie au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus.
que cette entreprise va se relever. Je déclare au nom de Jésus que ce couple va se relever. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ses finances vont se relever. Amen. Je déclare au nom de Jésus que le Saint-Esprit les visite, esprit, âme, et rafraîchisse leur corps au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie disparaît et part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu les fortifies. Seigneur, merci parce que tu les remplis. Tu les rends forts dans leur esprit. Tu les rends forts dans leur âme. Et tu les fortifies dans leur corps. Et tu maintiens, tu les maintiens en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la force de Dieu. Recevez la force du Saint-Esprit. Recevez-la maintenant. Que l'onction de Dieu touche votre esprit, votre âme et donne de la force à votre corps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cette émission vous a béni, elle vous a certainement béni. Ne restez pas des simples téléspectateurs, devenez des acteurs. Et pour être un acteur qui permettra que cette émission soit regardée par le maximum de personnes, nous vous invitons à devenir partenaire de cette émission. Pour devenir partenaire, vous nous écrivez un message WhatsApp au numéro de téléphone qui s'affiche maintenant et nous allons vous dire comment faire pour devenir partenaire. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'émission Pendule à l'heure. J'étais avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Dans la prochaine série, nous allons vous parler de la force de l'esprit. Yes. La force intérieure, la force de l'esprit. Yes. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. En tout cas, ça va être puissant. Gloire à Dieu. On est tout excités de pouvoir faire cette émission-là. Et on croit vraiment que vous allez être bénis. Amen. On vous dit, continuez à regarder Évangile TV. Restez connectés sur Évangile TV. À bientôt.